l'autre information dans le journal ça. Direction départementale travaux publics, transports et communication pour région Nord-Pays a continué à travers réhabilitation tronçon route Kankok-Vaudreuil-là. Population en salier travail ça. Richard Saint-Jourdan a présenté nous un reportage. Travail réhabilitation tronçon route Kankok-Vaudreuil-là a avancé à grand pas. Pour qu'il y ait un trottoir à caniveau cap fait sur tout route là, avec un pile tracteur cap fait terrassement. Yon façon pour faire préparation pour mettre asphalte ou soit béton sur route là. Population salier travail ça cap réalisé qui pourra être utile tout le monde qui habite ou soit cap fréquenter route Kankok Vaudreuil là. Je me sens satisfait de travail là et puis tout bagay qui pas de jambe fait nan pour noir pendant que le gouvernement pas encore yon quantité de temps moi il commence à faire peuple satisfait et demander en pile priorité en pile prolongement pour bail ça capable durable. Moi n'ai pas bien dérap avec travail là parce que moi bon nous devons pour secteur t'a battu dans zone là d'abord bon petit changement n'ai pas venir faire là venir faire si rouge faire si propre faire si bail moi bel changement fait dans route là parce que route là il va conseiller bail c'est pesable bail va faire un seul coup bail c'est magistral c'est pesable bail va fait avec un bel travail qu'a fait dans route là n'ai pas faire bel travail bel changement. Directeur départemental travaux publics, transport, communication Nord, ingénieur Alain Louis, explique que les techniciens ont mobilisé sur route Kankok Vaudreuil pour finir le travail. L'immense des populations prend patience. Jusqu'à présent, c'est un travail qui a marché très très bien. Et nous venons sur Vaudreuil et Plaine du Nord là, c'est parce que nous avons commencé de Kankok et nous avons fait préparation de Kankok et Alimbé. Donc nous avons gagné près de 5 km qui étaient déjà préparés de Kankok et Alimbé. Donc nous avons 2 km qui ont été fixés déjà mis 0,31,5 pour couche de base là. Donc nous avons imprégné 1,1 km. Donc malheureusement, à cause de financement, fait que VOB pas continuer avec couche de base là pour nous. Et puis l'impréhension que nous avons fait déjà. Donc toute l'impréhension ça a fini détériorer et que nous avons perdu et l'impréhension ça que nous avons fait déjà. Mais là, on parle avec le ministre. Donc, le ministre dit que nous avons mis 3 fumées sur le chantier de Kankok Vaudreuil pour nous capables d'aller plus rapide. Donc, nous avons gagné Kwamko qui a commencé là de Vaudreuil pour nous capables d'arriver et Kafoukrayette. Et puis, nous avons gagné Remix qui a mis 10 km. Et puis, nous avons gagné Vobéfis qui a déjà commencé ensemble avec nous qui est Kankok qui a descendu vers l'Imbé. Donc c'est ça que nous avons pour l'instant. Donc nous avons avancé assez bien. Donc soit regarder là où on a travaillé et nous pas camper du tout, même la nuit que nous travaillons. Donc pour nous, si effectivement, si nous avons terminé ça et le plus tôt possible. 16 octobre 2017, cette date ça, chef d'État haïtien Jovenel Moïse, t'a lancé travail, réhabilitation ou Kankok Vaudreuil là. Ambassade Venezuela en Haïti commémore lundi 5 mars là, 5e anniversaire de la mort président vénézuélien Hugo Chavez. Pour l'occasion, l'ambassade l'a organisé une messe dans l'église Notre-Dame miraculeuse de Fleuriot. Après ça, l'ambassadeur vénézuélien Luis Ernesto Diaz Corbelo est allé déposer un giflet en bas statue Hugo Chavez qui sous place qui pote non li dans Maïgaté. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro TNH. Donde estamos rendiendo homenaje al comandante Hugo Chávez. Nous profitons pour nous être capables de faire activité ça en hommage avec 5e anniversaire de mon commandant Hugo Chávez. C'est même gentil au Venezuela dans moment ça et yo a commémoré 5e anniversaire la mort commandant Hugo Chavez. Tout pays qui gen pour avec Petrocaribe yo invité pour capable participer dans activité ça. Nous pas oublier que un pays préféré commandant Hugo Chavez c'était Haïti. Et de même tout pour commandant Nicolas Maduro. Côté que n'a rappelé nous de révolution bolivarienne non. Et on a fait un hommage pour commandant Hugo Chavez. C'est une date côté que tout pays dans tout pays côté que nous gain ambassade nous et yo même tout yo fait et commémoration ça. Jean t'a annoncé l'antite décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans affaires commerce faite avec l'agent haïtien continuer à faire débat. Économiste Edi Labossière by opinion sous décision ça pendant lui encourager application Mezisa. Anti Mars dans un reportage. Économiste a pas fait route découpée pour lui battre bravo pour décision ça.
et dit la bosse arrêté quoi devant quantité de travail qui gagne pour faire pour application arrêté ya li nécessaire pour gagne l'autre décision qui aller dans même sens non qui prend mais comme économiste m'a tant me dit ça depuis 25 ans les amis depuis 25 ans m'a tant me dit ça parce que pas normal ou pas venir dans aucune économie moderne ou pas venir dans aucun pays développé même dans certains pays sous-développés. On ne peut pas dire la plupart des pays sous-développés, ou pas bien une situation où on a une double circulation monétaire. Donc, c'est une mesure qui est bonne, mais sauf que la mesure n'a pas de prendre conseil dans le contexte. On a de chiter avec plus de monde pour garder. Parce qu'en économie, quelles sont les actions opposées, les réactions. Quelles sont les actions opposées, les gens qui sont contents, les gens qui ne sont pas contents. Si c'est vrai, toute transaction l'argent doit être faite dans l'argent haïtien, et dit la boursière était quoi? Il faut que les mesures qui prennent pour encourager la production nationale, ça qui a produit une pression sur l'argent américain pour faire importation. On va regarder si le gouvernement sérieux, si les institutions haïtiennes telles que le ministère du Commerce, qui est responsable de l'application de mesures, là, si on va le mettre en application. Donc, l'homme mettre les mesures en application, ou pas qu'en économie, on ne prend pas une mesure disparate, ou pas une mesure dans le système, soit pour systémique pour gagner. Mesure ça de prendre. L'on approche systémique qui consiste à faire un plan global de développement. L'on prend comme ça et fait quoi est-ce qu'on doit pas gagner. On va pas aller vendre un grand matin pour un décret, il faut frapper. En tant que gouvernement qui l'a pour encore 4 ans, le gouvernement a gagné tant, si tu as mis les décisions, le secteur privé a guéri son nom. Mais je suis obligé de parler clair avant. Une décision comme ça, où tu apprends à l'intérieur d'un plan global de développement. Et la finalité de ce plan, c'est de lancer la production nationale. Laisse à même mon gars parler, tu as parlé 2-3 jours, après tu as voulu faire mes bouchons, commencer à gagner production, demande pour dollars, tu as baissé, et puis mesure à t'apporter plus facilement l'application. Devant inquiétude d'un pile consommateur gagné, économiste la ferme. Même le fonds de transaction à l'étranger, il faut arriver sur ce statement que la banque a promis, sur l'état financier que la banque a promis, et puis le mettre, vous t'avez acheté pour 100 dollars en côté, vous transformez 100 dollars en gourde, et puis le mettre à côté taux de référence de la banque centrale. Qu'on y a que la Banque centrale mette en place parce qu'il y a une structure de contrôle, une structure de supervision, que le ministère du Commerce augmente la capacité de supervision, de même que la Banque centrale tout augmente la structure de supervision. Parce que, pas bien, si son régime fort, si c'est un régime politique fort, même s'il n'y a pas de supervision, pas de chance. Arrêté 1er mars 2018, là, vini plusieurs mois après BAH, t'es annoncé décision pour éliminer les affaires pays 4 crédits avec l'argent américain dedans le pays d'Haïti. Merci, Ansi, avec Toussaint. Commission intérieure, commission planification dans le Sénat, chambre députée, je suis à parler lundi 5 mars là avec ministre intérieur Max Rodolphe Saint-Albin, ministre planification Aviol Fleurant avec Fédération nationale magistrat haïtien. Yo. Dossier déblocage fonds communal yo tenant mitan discussion yo côté yo rive joine yon entente pour débloquer fonds ça. Président des commissions sa yo expliqué tout projet magistrat était déjà identifié pral débloquer alors que projet l'autre secteur était identifié magistrat yo a bien pour analyser yo avant yo ta soumettre yo bay ministère planification. Président commission planification Soyel Yassinthe ak président commission intérieur France Denius tenant micro Fedner confident ak Danius Théodore. Sous question fonds communaux, nous arrivons à une solution qui répartit comme ça. Sous budget rectificatif 2016-2017, tout projet que magistrat a demandé, il y a une tête qui joint pour le projet ça, ministre planification avancée avec. Magistrat et ministre planification, il y a le fonds inventaire. Magistrat, collectivité, la CAIO, chaque association. Yo boalwe ki projet qui gen conflit sou li. Y a fait inventaire ça ministre nan deux côtés pali pour yo joindre yon modus vivendi pour projet ça yo magistrat approprié yo pour fonds communaux pour la commune yo pour projet yo dérapé. Sous question budget 2017-2018. Nous d'accord entre nous
problème ça faut le résoudre une fois pour toutes, étant donné pour qu'on ait aucun projet, pour qu'on ait aucun magistrat qui écrit pour lui, n'a continué rencontre là, n'a continué faire discussion pour nous capables de joindre une réponse appropriée et pour nous rester beaucoup plus au niveau légal. Sous projet 2018-2019, nous croyons que c'est la question structurelle là, la question à résoudre, et côté pour le résoudre, c'est dans le budget Cabral fait. Donc là, nous obligés clair pour nous mettre chaque attribution au côté que nous sommes obligés de mettre. Tout le monde d'accord que le projet est allé trop lent. Dans la même logique dialogue là, sénateurs, députés, bral continuer chita avec FENAM pour nous voir comment de façon structurelle nous capables résoudre li, et c'est la loi qui vous permet de nous faire ça. Et c'est ça que fait nous gagnons bon côté nous président commission finance, nous bral joindre tout avec président commission finance chambre des députés, et bien pour l'échange les trois commissions des deux chambres avec la FENAM, nous garder comment définitivement et bien transférer à partir de budget à, et bien ensemble de fonds ça yo vers communio pour problème qui posé là aujourd'hui li pas reposé. Toujours sous même dossier, ministre planification Aviol Florent avec ministre intérieur Max Odol Saint-Albin dit c'était un problème communication qui était gagné qui la cause fond communal yo pour débloquer. Ces rencontres parlement fait à Kyo et puis FENAM faciliter un commencement solution dans quatre dossiers ça. Il y a plusieurs rencontres qui prévoient organiser dans l'idée pour joindre une solution définitive à la question ça. Nous invitons à suivre un extrait de la déclaration. Je confirme que sous table, c'est ça que nous arrivons à une solution, au début de solution, en ce sens que pour le budget 16-17, là, qui était voté fin année et fin juin de l'année 2017, eh bien, le projet est transféré vers les secteurs, à savoir travaux publics, intérieur, santé publique, pour réaliser question de route, marché public et réaliser question de réhabilitation de centres de santé, etc. Que projet qui n'a pas de problème, c'est mairie qui soumet, eh bien ces projets, on va directement et le plus vite que possible vers leur exécution. Projet que fait Nam Dagay, objection sous lit, à savoir que ce n'est pas mairie qui te soumet lui, ou bien c'est avant au Kazek, eh bien on va faire un arbitrage pour permettre à ce que ça résoudre. Maintenant, pour 17-18, c'est budget ADSA. Heureusement que le processus de mise en branle là pour qu'on fait, eh bien, nous dit, Pralbon Chita entre FENAM, les trois commissions du Sénat de la République, Finances, Intérieur, Planification, les trois commissions de la Chambre des députés, Finances, Intérieur et Planification, pour yon ka mette tête yon ensemble en tant que élu, pour yon ki j'ai résoudre le problème dans le dialogue, et la solution yon jouen nan, yon impose ni moi même comme ministre. Pour ça, comment se sorti yon là, nous sommes tendel, quoi que gon, clairement, gen entente qui arrêté sur 2016-2017, gen perspective de rencontre et d'approfondissement de solution. Même si lueur a commencé à dégager pour 2017-2018, et certainement de façon, 18, et de façon structurelle, permanente et durable, pour problème ça à poser et résoudre une fois pour toutes pour des budgets 2018-2019. Encore une fois, moi-même, moi vraiment content et honoré que je fais partie à la discussion ça. Et c'est comme ça, encore une fois, je pense que Haïti a sorti dans sa lière. Et c'est seul gens pour définitivement, pour collectivité, joindre tout bon. Je crois que je vais souhaiter seulement compliment à tout le monde, à tout acteur qui est impliqué dans le processus de dialogue, ça, parce que c'est, nous tous, c'est pour Haïti notre travail. Bon côté PAL, le président Fédération Nationale Magistrat Haïtien en FENAM, Jude-Édouard Pierre, qui était gagné à CLI, Fédération Magistrat Régionale, exprimé satisfaction sur ces rencontres en Parlement organisées avec le ministre Planification et puis ministre Intérieur dans le cadre déblocage fonds communal.
magistrat Pierre dit yo entend yo tout projet mais yo t'ai identifié pour exercice 2016-2017 yo pral débloquer. Magistrat Edouard pas d'accord avec l'idée pour ta gen l'autre entité qui soumet projet. Si ta gen projet l'autre entité ta soumet, mais yo doit analyser yo pour connaître si oui ou non y a approuvé yo. Pour projet qui concerne l'exercice 2017-2018 yo, gen rencontre qui pral fait pour joindre yon formule pour débloquer yo. Nous invitons à suivre yon bout dans déclaration. Maire yo c'est premier responsable au niveau communal. Nous te dit position finalement c'est que les mairies, les maires doivent s'approprier justement de tous ces projets. Et nous te dit ça, nous demander que vivement yo fait directement sur compte mairie yo. Son position fenam te gen les maires te gen par rapport à statut mairie position ça et bien par rapport à discussion sur fait yo et niveau engagement qui prend déjà sous projet yo dans un ensemble de communes de la République compte tenu du fait que depuis 30 septembre déjà ça c'est la fini donc nous entendons nous sous principe ça que projet yo a continuer avec un bémol que seulement les projets qui ont été déposés par les mairies seront exécutés. Les projets qui n'ont pas été déposés par les mairies seront réévalués et c'est mairie qui parle pour écrire le projet pour le ministère de la planification. Comme toujours dit ça, je répète que les magistrats entendent avec les députés pour déposer le projet. Mais la question c'est les députés pour signer son projet. Pour le ministre au recevoir là, nous-mêmes nous comptons ça, nous pas d'accord. C'est obligation que Maïssa ait entendu avec député dans la commune, nous reprenons ça. Sur le deuxième point, c'est budget 17-18 là. 17-18 là, pour un projet qui est engagé, demande finalement qui s'allie, c'est comme 17-17 là, nous pas de temps par rapport à niveau engagement de pension sur ce projet, parce que ça déjà très loin, mais sur 17-18 là, pour qu'on le vire directement sur le compte mairie. Il y a un petit bémol que le sénateur a mis par rapport à la question à la dimension politique question. Il a proposé avec le député pour qu'il y ait l'autre rencontre qui fait sous lui qu'à joindre une solution définitive. Mais ça, c'est la position de la FENAM, la proposition de la FENAM sur l'exercice 17-18 là. Et il y a une discussion qui peut l'engager pour que pour l'exercice 18-19 là, justement, le problème ça résout de manière définitive, que lui clairement dit que fonds ça est délogé. Pour délocaliser, je veux le ministère intérieur. Et il y a un dénouement plus ou moins acceptable aujourd'hui. Et il y a un rencontre qui va le faire entre le conseil exécutif et les 10 présidents et concernés, ministres, ministres, pour nous joindre une solution rapide. Le dossier dans le journal SAN, occasion 34e conférence le lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 5 mars 2018. Là. Directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, qui était gagné deux cadres institutions. C'était occasion pour le directeur général de présenter différentes phases projet réhabilitation, ligne transmission pylône 115 kW, qui permettent courant arrivé d'Elma 33 dans le travail à fait pour bail courant électrique 24 sur 24. Ingénieur Hervé Pierre-Louis fait qu'on ait un travail pour améliorer production et les arches. Nous invitons à suivre un extrait. Maintenant, centrale Pellig réhabilité. Il faut que l'énergie qui produit soit transportée de manière sûre vers Port-au-Prince. Ligne, même Jean avec centrale là, datée de plus de 50 ans. De Delma, de l'île à voie 17, pardon, à Delma 33, toute ligne ça où elle passe en bas. Liberté, pour nous construire n'importe qui, il y a des coûts tout. Les coûts de l'État ici, m'a répété, encore 15 millions de dollars en plus parce que, au lieu de câble aérien, câble Alba sans bâtir. Présentement, travaux sont faits dans la zone Cafou Fleurio. Et depuis une semaine, il a commencé, il va durer encore deux semaines. Le travail ça va créer inévitablement des perturbations dans la circulation. Je me demande compréhension publique là. C'est pour bien nous, c'est pour plus courant que nous sommes capables de joindre. Donc, prends un petit patience, accepter l'inconvénient que ça a causé. C'est une façon pour demain vienne bibon. De même tout, dans la zone de l'île à voie 17 à Carrefour Marassa, en particulier dans la zone Carrefour Marassa, travail a commencé tôt depuis quelques jours. Ce qui va bail encore des perturbations, mais perturbations ça c'est pour au mieux être.
Donc, il y a environ 9 km pardon, de câbles aériens qui vont être remplacés par câbles souterrains. 34e conférence lundi la presse là été occasion tout pour directeur général EDH là Hervé Pierre lui parler sur ensemble problème institution a fait face ça qui fait l'état obligé subventionner institution en pour un valet environ 9 milliards goud par année pour permettre système dans marché d'après directeur général là. Dans l'idée pour répondre à cette situation ça directeur général là annoncé yo lancé un programme éducation à communication qui visait changer comportement population hein, pour permettre plus moun vin payer factio. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Pour zone métropolitaine recette en novembre 2017 de 319 millions 137 000 goud. Recette en décembre passé à 305 millions. En janvier, je passé à 316 millions. Le nom gardé historique recette EDH, il était toujours autour pour zone métropolitaine de 250-260 millions. Recette a augmenté parce que plus de monde collaborer, comprendre que paiement facture, c'est un geste, c'est un comportement qui est important. Cependant, nous avons des chiffres toujours pour montrer côté il y a effort, un pile effort pour faire encore. Non seulement bon côté EDH, mais surtout bon côté population. EDH facturé 45, préparé 45 factures, 45 000, pardon, c'est seulement 8 154 monde qui viennent payer. Pour l'agence de Port-au-Prince, EDH préparé 29 432 factures, c'est seulement 5 800 monde qui viennent payer. Pour Delma, EDH préparé et livré 39 734 factures. C'est seulement 7 885 moun qui viennent payer. Nous voulons plus courant, il faut plus moun payer. EDH est capable d'engager nous. Mais il faut communauté, population, nous engager. Le joint de facture, geste pour faire, c'est vindel. L'autre nouvelle, le ministère environnement lancé vendredi 2 mars passé un projet qui portait nom renforcement capacité pour gestion risque désastre à résilience climatique sous île Ilavache. Projet ça a touché plus passé 15 000 bénéficiaires dans communauté ça. Nous invitons à suivre un compte rendu. Projet ça visé parmi l'autre objectif augmenter capacité l'état et organisation locale pour planifier résilience, gérer risque à désastre, bailler accès à l'eau potable. Et puis créer opportunité dans la pêche à l'autre ressource pour habitants d'Iléa. C'est un comité qui vient là-dedans, le ministère de l'Environnement et l'Agriculture, qui a exécuté le projet. Représentant Banque Caraïbienne Développement, une institution qui a financé le projet, Monica Labinette, qui a initiative ça, qui a porté en pile dans l'amélioration de la vie de monde sous Iléa. Banque Caraïbienne de Développement déjà engagé en faveur d'Haïti jusqu'à hauteur de 133 millions de dollars. Il y a un pile dans l'agence qui était consacré par Bocla pour améliorer les conditions d'éducation scolaire en Haïti, pour renforcer la capacité du secteur privé et puis pour faire intervention en agriculture avec développement rural. Avec projet ça, le gouvernement voulait apprendre sur résultat pour être capable d'appliquer dans diverses autres îles du pays, d'après le ministre de l'Environnement, Pierre Simon Georges. Il a servi outil tout pour aider le ministère à mobiliser moyen l'agent pour avancer avec l'application modèle ça. L'Ilavache va bénéficier dans ce projet de l'électricité, de l'eau, de la pêche. Il doit être renforcé dans ses capacités pour résister aux aléas climatiques. Ce projet va aussi être coiffé par différents comités, comités interministériels. Il y a aussi un comité multisectoriel. Il y a aussi un comité des différentes autorités locales. Ça veut dire que c'est un projet, comme l'a signalé Madame la Présidente tout à l'heure, c'est le projet de l'Ilavache. Le gouvernement
a besoin de l'expérience que nous aurons acquise de ce projet pour le répliquer dans les autres îles telles que la Gonave, la Tortue et autres. Projet ça qui lancé dès mars passé doit arriver dans Boutli dans mois juin 2022. L'a coûté 6 325 000 dollars américains et puis joint financement Banque Caraïbienne Développement avec l'État haïtien. Merci Esaïe Aurelius. Voilà les amis téléspectateurs, cela n'a pas en pause dans le journal ça, pas déplacé, n'a pas tourné tout de suite après. L'actualité internationale, la leader nord-coréen Kim Jong-un recevoir émissaire président sud-coréen en mardi 6 mars 2018 là. Plusieurs mesures adoptées dans cadre rencontre ça parmi yo yon sommet en décoréo pour fin mois avril là. Nous invitons à suivre yon reportage. Kim Jong-un recevoir émissaire président sud-coréen mardi 6 mars 2018 là. Dans le cadre de rencontre ça, plusieurs mesures adoptées, tant qu'organisation, un sommet en fin mois avril, et puis ouverture en ligne communication et urgence en dirigeant de Corée. Mais si ça y est arrivé possible grâce à un premier rapprochement qui était fait dans la période des Jeux Olympiques, une nouvelle illustration pour établir une ambiance la paix sous péninsule là. L'autre avancée qui fait, Corée du Nord promet pour suspendre essais nucléaires et missiles LIO pendant tout temps dialogue intercoréen. Pyongyang manifestait volonté tout pour le camper programme nucléaire là à condition sécurité garantie. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump annoncé soutien libre chef gouvernement israélien Benjamin Netanyahu qui n'a un scandale politique dans moment ça. Benjamin Netanyahu dans moment ça a réalisé une visite dans Maison Blanche. Suivez l'autre reportage. Président américain en recevoir Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans Maison Blanche, m'a dit si masla. Dans moment même, chef gouvernement israélien a traversé une crise politique qui est capable de pousser à faire une élection rapide. Yon temps avant rencontre deux autorités, chef israélien Netanyahu, après yon approche conseil yon, Rifit, signé un accord côté de gain statut témoin l'État, ça qui protège le cadre dossier à faire corruption Bezek là. Yon plus gros télécommunication israélien. Plusieurs manifestants prennent la rue pour protester devant la résidence Benjamin dans Jérusalem pour demander démission chef de l'État, sitôt après éclatement dossier corruption. Dans le dossier sport, football, 15 mai 1918, dans 15 mai 2018, Violette Athletic Club a préparé pour lui fêter 100 ans d'existence libre. Dans ce sens-là, responsable yomete campé en comité pour organiser festivités. Et puis à l'étranger, Paris Saint-Germain, Real Madrid, c'est choc 8e de finale retour Ligue des Champions, cap jeu jeudi à dans Parc des Princes à 2h45. Commission intérieure, commission planification dans Sénat, je t'ai parlé avec ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin, ministre planification à Viol Fleurant, avec Fédération nationale magistrat haïtien yo, dossier déblocage fonds communal yo tenant mi-temps discussion yo. Économiste Eddy Labossière salue décision gouvernement prend pour exiger toute transaction dans affaires commerce faite avec l'agent haïtien. Économiste l'a encouragé application Mesisa. Directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, présenté différentes phases du projet réhabilitation ligne transmission pylône 115 kW qui permettent courant arriver d'Elma 33 dans le cadre de travail à faire pour bail courant électrique 24 sur 24. Hervé Pierre-Louis est intervenu dans l'occasion 34e conférence les lundis de la presse ministère communication organisée. À l'étranger, président nord-coréen Kim Jong-un recevra une délégation président sud-coréen. Et puis dans page sport, football, 15 mai 2018, Violette Athletic Club a préparé lui pour lui fêter 100 ans d'existence. Dans ce sens, responsable ont été campé et un comité pour organiser festivités. Eh bien, messieurs, dames, c'est la journal La Boute pour jeudi. Hein? Merci pour fidélité ou avec attention. Nous invitons à être branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Hein? Rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bonsoir tout le monde.